أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Ça fait plaisir de vous revoir, non? Bon, vous me voyez, je vous vois pas, mais je sais que vous êtes derrière vos écrans, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de mettre la bénédiction. Et j'espère, à vous les parents, que vous regardez cette collection de vidéos avec vos enfants, inshallah, pour qu'ils comprennent que le Qur'an, c'est aussi de la méditation et c'est aussi du ressenti, inshallah. On continue notre voyage, inshallah, avec Maliki Yawmiddin. Donc Allah Azza wa Jal s'est présenté à nous. Il nous a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Je vous l'ai déjà expliqué dans la basmala avant de commencer la Fatiha. Et ensuite, il continue à se décrire. Après avoir dit qu'il est Rabb, après avoir dit donc le Seigneur, qu'il est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde complète ne cesse, la miséricorde complète englobe toute chose, Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler, il va maintenant de nous donner une caractéristique qui fait peur, parce qu'elle reflète la puissance. Maliki Yawmiddin. On a dans les différentes lectures du Coran, Maliki et Maliki. Quand on parle de Maliki, cela implique la justice et l'équité. Il est le possesseur, donc il est juste avec ses créatures. Quand on dit le terme Maliki, le terme est quelque peu différent, un peu plus large. C'est la justice, l'équité, la possession, la protection, la subsistance, la récompense et la miséricorde. Donc le simple nom Maliki reprend tout ce qu'il y avait avant, Inch'Allah Ta'ala. Et ça vient nous rappeler la réalité en fait. Ici c'est un message qu'Allah Azza wa Jal nous donne de façon très très claire. C'est que tu auras beau faire tes adorations, avoir une vie de famille, avoir ton travail, posséder des choses, posséder des biens, peut-être même diriger des gens, tu ne possèdes rien. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui te possède. Tu sais pourquoi? Tu sais qu'il te possède? Parce qu'il possède les cieux et la terre et il possède la finalité de toute chose. Et celui qui possède la finalité de toute chose, c'est celui qui possède tout ce qui vient avant. Maliki. Yaoum. Alors ici, le terme Yaoum, ce n'est pas simplement le jour. Alors les savants ont divergé, est-ce qu'un jour, c'est le jour et la nuit? Ou est-ce que c'est que le jour? Ou est-ce que... Non, ici, c'est une période de temps. Et gardez en termes général, dans le Coran et le Karim, d'accord? Le terme « yaoum », qu'on va traduire par « jour », signifie finalement une période de temps. On a 8 sens dans le Coran, je vais les mentionner assez rapidement, inshallah ta'ala. Le terme « yaoum » est employé dans le Coran dans le sens des jours de l'au-delà, dans le sens des jours de cette dunya, et là c'est vraiment un jour en tant que tel, dans le sens du jour du jugement, dans le sens de l'instant présent, dans le sens de la victoire sur les ennemis, dans le sens du lever du soleil à la place de son coucher, dans le sens de la rétribution et dans le sens des bienfaits. Ah, je vous ai dit plein de choses. L'important, c'est de comprendre que le terme « yaoum », de comprendre que le Coran est si riche qu'un seul terme peut avoir mais tellement de sens. Et c'est pourquoi « fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Posez la question aux gens du rappel et de la connaissance quand vous ne savez pas. C'est-à-dire, on doit revenir à nos savants bien-aimés que l'on chérit de tout notre cœur, pas pour les personnes qu'ils sont, mais pour la connaissance qu'ils portent, incha'Allah ta'ala. Maliki Yaoumi Ad-Din. Alors je me permets juste au niveau du tajwid quelque chose. On entend souvent des gens nous dire Maliki Yo. Yo, Yaoumi Ad-Din. Avec un t comme ça. C'est pas Yaoumi, c'est Yaoumi. Yao. C'est important de le faire. Et ensuite, quand on a Ad-Din, c'est un dal. Et souvent on entend des gens qui mettent un t avec le dal. Ça fait Maliki Yaoumi Ad-Din. Et ça change le sens, c'est une erreur qui est illicite parce que ça change le sens du verset. Au lieu de dire « Maliki Yawmiddin », le maître du jour de la rétribution, quand quelqu'un me dit « Maliki Yawmiddin », qui ressemble à un « ta », eh bien c'est le maître du jour du figuier. Et là c'est un problème profond. Vous voyez, ça nous enseigne encore une autre chose. Le Coran a des règles de compréhension, mais aussi de récitation. Et si vraiment je reconnais qu'il est le Malik, ou bien El Malik, et qu'il possède toute chose, je me dois de prendre le temps d'apprendre, de comprendre, y compris dans ma façon de réciter le Coran, incha'Allah ta'ala. D'accord? Qu'Allah vous préserve tous, incha'Allah. On se voit
très bientôt pour la suite. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمنا هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب